Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. On continue dans l'histoire principale, excusez-moi, hop. Et on va parler à notre ami ici présent, Ray. Ray comme rayon laser. Ou Ray Kenney, Raymond Kenney. Kenny. Je suis prêt mec, je suis chaud. Non sérieux, mode activiste. Activation. Alors comment on va niquer Bloom? Le tech en tout cas. Doucement, respire un peu garçon. D'abord, ça va pas être facile d'arriver jusqu'à Bloom. Même avec mon aide. Ray, tu le briefes pas sans moi j'espère? On était censé faire ça ensemble. Non, c'est juste que je voulais pas te déranger. Me déranger? Tu rigoles. Allez Marcus, on va te briefer. Oh, ils sont jaloux. Ils veulent m'avoir pour eux tout seul. Ils sont mignons. Mais j'ai une boule pour chacun d'entre vous. Le reste, ça va à Wrench. Alors, prenons le principal collecteur. Encore merci à monsieur LN pour le jeu. Copain Noodle. À chaque recherche, que ce soit des chaussures pour connasses ou du porno mexicain, ils en savent un peu plus sur nous. N'allez pas voir ce que c'est que du porno mexicain. Je sais pas non plus, c'est pour ça. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que Bloom a d'ores et déjà mis la main sur ces fameuses données. Ah ouais. Putain, c'est bon ça, Citara. Les données de Noodle permettent à Bloom de renforcer le Bellwether et leur contrôle sur leurs marionnettes. Si on arrivait à les récupérer, on pourrait attaquer plein de cibles différentes. Là-dessus, je peux aider. Tu peux pas pirater Noodle à moins d'accéder au parc de serveurs. Et tu peux pas y accéder sans autorisation. Tu peux même pas entrer sur le campus si tu bosses pas là-bas. Comment tu crois que l'autre comique, là, il obtient ces informations? Allez, dis-moi que tu y as accès. T'es fou, je suis obligé de la jouer discret. Il y a un de mes élites qui veut pas me lâcher en ce moment. Je suis pas s'occuper du mec. Il va passer pour un employé. Oh si. Oh, il pourrait même faire encore mieux que ça, Citara. Raconte-lui ce que tu m'as dit, Horatio. Les Noodle Bus. J'ai chopé un exploit pour l'identification. Je t'amènerai au bus. Tout ce que t'as à faire, c'est monter à bord. Ils penseront que t'es un des chauffeurs. Putain. Ça c'est bordel, cool. Vas-y, on y va. Ok. Ça c'est complètement cool. Ok, on y va. Par là. C'est parti mon kiki. Là, ça va véritablement être cool. Marcus, oui. Regarde un peu les SMS d'un flic que j'ai chopé. Oui. Alors. À ton avis. Pourquoi on s'emmerde avec ce puzzle? Cryptogramme, il y avait une note avec. J'ai pas vu la note, mais le capitaine prend ça très au sérieux. Il y a un truc bizarre. Ça vous dit quelque chose des mecs louches avec des masques de rats qui traînent à l'extérieur du MoMA? Une bande d'anarchistes artistiques autoproclamés qui se font appeler l'Académie Moralité. L'Académie, moi le rat. C'est une anagramme. Bien vu. C'est quoi leur trip? La transparence totale. Aucune vie privée pour qui que ce soit. Pourquoi les masques alors? Ouais, les têtes de rats. À quoi ça ressemble? C'est stylé. Genre l'eau polie. Merde hein? C'est Default. Default, le musicien? Default, l'ancien hacker de DeadSec. Default, l'enfoiré de psychopathe qui a essayé de me gazer dans sa maison, surtout. D'accord. Mais je vais carrément m'intéresser à eux, maintenant. Et puis du coup, je vais rencontrer un nouveau follower. On le fera aussi, chers amis, nous. C'est quoi, ça? Soupe à l'alphabet. Retrouver le ratio dans un magasin de fringues. D'accord. Ouais, vas-y, fais péter. On y va. On a dit qu'on allait faire des quêtes principales. Un cryptogramme? J'adorais ces trucs-là quand j'étais gamin. La vache, ça date. Tu crois que tu sais faire encore? J'aimerais bien que DeadSec se fasse la police sur ce coup-là. Nos followers vont adorer. Récupère-moi ce cryptogramme, gamin, et je vois ce que je peux faire. Bon, déjà, on va commencer par les fringues. Hop, Stitch and Vine. C'est parti. Yo! Ok, t'es prêt? C'est parti. Quoi? Me dis pas que je vais me changer en fan de Noodle. Non, c'est bon. C'est parti, mon kiki. C'est loin? 500 mètres, oh bah dis donc. Mais je prends ma bagnole, hein. Honnêtement. À ce tarif-là, vas-y, monte, Timon. Monte! Allez, monte! Ok. J'ai pointé pour toi au parking. Le conducteur le laisse là tous les jours pendant qu'il prend son café. Super! Bon, que ce soit clair dès le début. Oui? Excuse-moi, je voulais pas taper dedans.
que ce soit clair dès le début. Je suis désolé pour tout ce que t'es sur le point de découvrir. Tu déconnes? Je vais enfin pouvoir rencontrer ton alter ego, Horatio Carlin, codeur d'entreprise. C'est marrant, pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée? T'inquiète, je serai sympa avec toi. Hop. Hop. Crac. Il me suit. Parfait. Allons-y. Voici notre bus-bus. Ok, bus-bus. Bonjour, bus-bus. Rentrons dans le bus-bus. Nous sommes dans le bus-bus. Ah, le temps est passé dans le bus-bus. Vas-y, reste assis. C'est bon, je vais trouver. Okay. Ok. En vrai, on est tous comme ça. Hein. GPS. Je sais où il y a le GPS. Non. Non. Ouais. Voilà. C'est bon. C'est tout à fait nous, ça. Tous les geeks, un petit peu, on se dit non, mais on sait exactement ce qu'on fait. Fais pas chier. Je sais où il est le GPS. Ouais, un peu plus haut, je sais. Pourquoi je regarde en bas l'écran? Oh, c'est parce que je cherchais d'autres choses. Je regardais s'il y avait pas un moyen d'avoir le Bluetooth pour mettre ma musique. Ah, mais elle sortirait du GPS. Ouais, je sais, mais rien à foutre. Il y a de meilleures enceintes que ta radio. Pendant ta gueule. Pendant ta gueule, comme on dit. Bon, bien sûr, si vous voyez des bus faire ce genre de choses, chers amis, commencez à arrêter de prendre le bus. Soyons honnêtes, hein. Il ne faut pas vous embêter à le prendre, là. Pas très loin de chez moi, et une colline avec des torses, qu'on appelle des torses. Oh putain, c'est... Bonjour. 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 Bon, franchement... Salut, comment ça va? Bien, Gary. Salut. Salut. Je comprends pas pourquoi les cinématiques sont en 25 FPS, quoi. Alors ça, premier dans le bus? Eh ouais, je me suis levé tôt. Ouais, et donc, depuis que je prends des jus, bah ça a trop changé ma vie. Je me sens plus léger, plus libre. Désolé de te décevoir, mais les jus, ça... Bus simulateur, regardez... Ah, j'allais dire, regardez-moi cette trajectoire. Ce qui compte, c'est la pulpe. C'est ça, la partie saine. Si tu bois que le jus, c'est que du sucre, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est des smoothies. Tu les blindes de fruits, légumes, super fruits. Des super fruits? Ouais, les baies de goji, la racine de maca, ce genre de trucs. T'as encore plein de choses à apprendre. Moi, on m'a dit que les propriétés de ces trucs, c'est vachement exagéré. Eh ben, c'est des aliments sains. Tu peux pas le nier, ça. Bah, déjà, les baies de goji, c'est pas plus un super fruit que le raisin. Le prends pas mal, hein, mais c'est juste un terme marketing conçu pour berner le consommateur. Si je voulais, je pourrais booster un coup. Tu sais, Marcus, il y a des fois où j'ai trop envie d'être à ta place, à faire ce que tu fais sur le terrain. Mais pas là. Merci, mon pote. C'est dingue comment ils s'y croient, tous ces bouffons. Moi qui pensais que les employés de Bloom étaient graves. Boost! Turbo boost! C'est en train de booster un bus, hein, mais tout le monde s'en fout. Hein. Ok, j'aimerais bien voir le compteur de vitesse, la limite. C'est pas ce bouton-là. Oh! Bus simulateur! Là, c'est véritablement bus simulateur. Le feu est vert, on passe. Voilà, on attend. Quand le feu sera vert, on va passer. C'est bus simulateur, chers amis. C'est parti pour l'épisode bus simulateur. Hein. Et dépêche, le feu est vert. Dépêche, le feu est vert. Dépêche, le feu est vert. Ah! Il a pilé quand il est passé à l'orange. Hein. Oh, il est chier à démarrer. Allez! J'aime ces rétros. Oh, pardon. What? Il faut se calmer, les mecs! Je viens de me faire bourrer par quelque chose. Est-ce que vous voulez pas prendre le bus avec moi, vous? C'est vert, je passe. C'est vert. Je m'arrête. Ok.
Parce que bus, voilà. Bon, bus simulateur. C'est noir. Ça lag. Salut. Salut. Tu dis pas bonjour à la dame ? T'es sexiste ? Je supporte pas quand le chauffeur de bus me disait pas. Je supportais pas quand le chauffeur de bus me disait pas bonjour. Ouais. Et la bouffe qu'on s'est fait livrer était dégueulasse. Tu sais, le nouveau restaurant de sushi là. Bah, laissez surtout pas. Leur sauce soja, elle a juste pas de goût. Et ben moi, mes makis au thon, ils étaient juste fades. Oh putain. Ok, on passe. C'est vraiment juste. Trop nul. Vraiment juste ? J'en connais qui sont vraiment justes. Chut. Oh, cette manœuvre. Cette trajectoire. Pas peur, hein, j'arrive. Hop, voilà. Faut pas mettre les clignotants, malheureusement, mais... Difficile de faire mieux avec un bus, hein. Avec les caméras qui suivent pas. On y va, on progresse. Oh, c'est moche ce qui se passe à gauche de l'écran. En haut à gauche, c'est très très moche. C'est un stop. Hop, on est bon et on s'arrête. Ok, parfait. Et on les suit, comme si on était le pilote. Ratio, putain, je stresse trop là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a personne comme nous. Eh ouais, bienvenue dans la Silicon Valley. Eh. Tu sais comment on appelle un black entouré d'un millier de blancs ? Vas-y. Monsieur le président. Mais mec, si on ouvre ensemble, ils vont penser qu'on prépare un coup là. Et on prépare un coup. Situation raciste possible. Dame. Putain, je me sens tellement bénévole au Svelter Kelter. Oh, t'es quelqu'un de bien, toi. Elle, on a potentiellement vu ses seins dans l'épisode précédent. On a même notre liste de diffusion. Ouais, c'est chaud. Mais bon, c'est super important ce que vous faites. Vous faites évoluer la vie en méga entreprise. Il parle pas. Bizarrement, il ne parle pas. Putain. Pièce, à chaque fois qu'on m'a félicité pour mon niveau d'élocution. Bon, il est où le parc de serveurs ? Bah, pas ici. Tout se trouve en dessous du bâtiment de Noodleman. S'il est derrière moi, on l'entend pas. J'ai besoin d'un autre niveau d'autorisation pour y accéder. Les managers à l'étage du dessus devraient pouvoir t'aider. Lance le hack du bus en boucle sur un d'entre eux. Bien, on va à la cuisine. J'ai besoin d'énergie avant de pouvoir taffer comme un robot. Pourquoi pas, hein? Eh, tu veux un café? Non, ça va. Trois jus pomme-grenade alors, c'est vraiment délicieux. T'es tellement gentil, Horatio, merci. Ok, nickel. Caroline. Brody. Grosse journée aujourd'hui, hein? Je suis impatient, pas toi? Tu sais, tu pourrais nous dire ce que tu as fait dernièrement. Les recherches que tu as faites, les gens... Je vais juste me faire un café, espèce de fils de pute. Excuse-moi? Je vais juste me faire un café. Espèce de fils de pute. Ouais, ok. Je suis sûr que t'auras plus de choses à dire au RH. Savoure ton café. Attention! T'es nouveau, toi? Ouais. J'aimerais trop lui éclater sa gueule, je peux plus l'encadrer ce fils de pute. Salut Becky. Il est sur mon dos de... Salut Becky. Ce fils de pute. Salut Becky. Je vais devoir aller parler au RH. Tu crois qu'il sait quelque chose sur toi? Tu sais le nombre d'années de prison que je risque là? Une fois que je serai dans le parc de serveurs, je pourrai tout effacer, ok? On te protège. Tu vas pas aller en tôle. Je te tiens au courant. Ouais, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. Pomme-grenade, effectivement. Grenade ! Boum ! Bon, Ratio, comment je fais pour accéder au serveur de Noodle ? Le mieux, c'est via la zone de maintenance des ascenseurs au premier étage de Noodle Map. Mais fais gaffe, c'est haute sécurité. Même moi, j'y ai pas accès. T'inquiète.
Merci pour votre argent. Ici, malheureusement, toute la vitre est fermée. Ok. Comment suis-je censé faire ? Comment suis-je censé faire ? Sauf s'il y a moyen de passer par là. Non, apparemment non, il n'y en a pas. Accéder à la ferme des serveurs de Noodle. D'accord, ok, j'ai trouvé. Le problème, c'est qu'il y a du monde partout. Allons-y, c'est la fête. Hop, ok, on est bon. Nous sommes dedans. Non, pas tout à fait. Pas encore. Nous y sommes. Hop, piraté, c'est bon. Bon, moi maintenant c'est Madame Laura Kim. Comment on fait pour entrer chez Noodle Map ? Si t'as Kim Laura. Badge, normalement, t'as juste à pousser la porte. Je pourrais dire que elle est un problème. Mais je ne vais pas le faire. Ok, on y va. Hop. Ok. Comme ça, la vraie s'en va. Et en vrai, c'est ce qu'il faudrait faire. Par contre, du coup, comment je me rends là-bas ? Clairement, on devrait avoir un moyen de monter et de passer dans le... Sur la... Voilà, là-bas. Je pense qu'il y a une porte ici. Crac, parfait. C'est quoi, ça ? Vous avez été tiré au sort. Ah, cool ! J'ai gagné quoi ? Bonjour, monsieur. Calmos, hein, je ne fais que passer ma route. Hop, et crac. C'est parfait, on est passé. Bon, ça se passe pas trop mal. Je regarde juste son menu au niveau de l'épisode, j'ai mis, parce que là, je suis à fond dedans, 19 minutes. Il nous reste donc pas loin de 5-6 minutes. Ok, vendu. Bon, allons-y. Bonjour, c'est moi, ce n'est que moi. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas, je suis Laura Kim quand même. Bonjour, je suis Laura Kim. S'il vous plaît, je vais devoir vous demander de faire particulièrement attention à ce que vous allez voir et faire ici. Après tout, il n'y aura normalement pas de seconde chance. Ok, allons-y. Ratio, il y a des ascenseurs. Est-ce qu'ils vont à la salle des serveurs ? Oui, mais pas toi. Reconnaissance faciale, c'est du haut niveau là. Cherche plutôt l'accès de maintenance. Tu sais... Comme on avait dit. Ok, ok. Ok, on est bon. Les phares, s'il vous plaît. Oula. Celui-là, il l'a bien vu, y'a pas de soucis.
chose? Rien à signaler, je continue. Ah, arrêtez ça! Ah, hey! Tu vas finir dans un sac poubelle, toi. Ah. Merde, je peux pas passer, moi. Oh la vache! Commencez tous à me faire royalement chier, je veux pas dire, mais là, hop, je m'en vais. C'est bon, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, monsieur l'agent? Il se passe quelque chose de grave? Oh, je vois. Bon, moi, je vais me mettre là. Hop. Il se passe des choses, vous inquiétez pas. Rien de gravissime. Il m'a pas vu. Il n'a rien vu. Et nous sommes bons. C'est la magie. Heureusement qu'ils élargissent pas l'endroit où justement la zone interdite était plus importante. Ça pourrait être catastrophique. Ok. Nous avons un accès un peu plus intéressant. À plus ou moins absolument tout ce qu'il y a à trouver là-dedans. Seuls les agents autorisés peuvent entrer ici. Restez pas là, circulez. Ça fait beaucoup d'agents dans le coin là-bas. Cette zone est interdite au public, circulez. Là-bas aussi, il y en a. Il y a beaucoup de gens. Cette zone est interdite au public, circulez. D'accord. Je ne sais pas. Forcément passé. Ils vont tous sortir, potentiellement. Non, vous sortez pas? C'est bien dommage. Non mortel. Allons-y. On va tenter ça. Trafic humain, et bim, dans ta gueule. Top cette caméra quand même, hein, je veux pas dire, mais ah, là-bas. Hors-toi, non mais hors-toi.
Toi, le mec, en fait, il marche dans le vide depuis tout à l'heure, j'ai pas compris. Le mec marche dans le vide depuis une demi-heure. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Et on s'entend dans le prochain épisode. Salut les gens!